toutes les ponts qu'il a fait et qu'ils en vendent là. Ceux qui se vendent des routes et des ponts, posez-leur une seule question. Dites-leur, est-ce que depuis 2011, aujourd'hui nous sommes à 2024, ça fait 13 ans. Est-ce que depuis les 13 ans que vous êtes au pouvoir, est-ce qu'il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire? Depuis 13 ans que vous êtes au pouvoir et que vous vous vantez d'avoir fait ceci, cela, est-ce qu'il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire? C'est pour ça qu'ils ont permis de faire des routes. C'est parce qu'ils ont en face d'eux une opposition civilisée. C'est parce que en face d'eux, là, il y a un Gbagbo qui est opposant, qui est civilisé, qui aime son pays, qui n'aime pas détruire son pays. Est-ce que depuis que Gbagbo est sorti de la prison, il a dit une fois dans un meeting qu'on va tout gâter si ce n'est pas candidat? Gbagbo aime son pays. C'est parce que il y a un opposant en face d'eux qu'ils arrivent à faire des routes de ponts. Nous, partisans du PPACI, nous sommes respectueux des lois et de la légalité. C'est parce que nous sommes dans une opposition civilisée. Dites-moi, quel pays dans le monde qui a fait des routes de ponts dans la guerre? C'est-à-dire, vous n'allez jamais changer, quoi. Nous, on savait, c'est ce qu'on se pose, la question, on se pose chaque jour. Vous n'allez jamais changer. Vous êtes toujours dans le passé, or pourtant le passé ne vous arrache pas. C'est parce qu'il a trouvé ce garçon devant lui. Et ce garçon qui est au pouvoir, là, Thierry Farima. Quand on dit Thierry Farima, benana, oh, yeah, ce garçon qui arrive, oh, c'est le Prado. Il parle deux fois dans l'année, au début de l'année et à la fin de l'année. Lui, il n'est pas dans les agoura, un des trois qui est ici. Si quelqu'un nage, on va en deux. Si ils disent que la vie est chère, ils attachent les cheveux avec caoutchouc, on va les mater. Kounoko, babotereli. Si ça sort sur la une, maintenant on met ça sur la deux. Toi, tu as vu le monsieur là en train de faire des discours comme cela. Quand lui veut parler là, le monde s'arrête. On dit il veut parler, il ne parle pas trop. On dit attendez, il veut parler. Tu n'as pas honte quand tu dis ça. Akatiel et Souragnafé, c'est un garçon. Celui est venu trouver. Toi, tu dis quelqu'un est civilisé. Quelqu'un qui est civilisé, là, les paroles qui sortent de sa bouche, là, ce sont des paroles qui sont civilisées. Quand il fait sortir la population ivoirienne qui était respectueuse, la population ivoirienne qui n'était pas violente, et ce monsieur fait sortir et à inciter cette population-là, à tout faire, à inciter cette population-là à la violence, au temps du fouet, aller casser les bus, sortir, de traiter le père fondateur des trucs, des voleurs et de tout. Pendant ce temps, le pain, un pain était à 30 francs. Les petits bois de l'Ela, tu pouvais avoir ça à 75. Tout était moins cher. Mais vous êtes sortis. Ton président que tu dis le civilisé là est sorti à traiter ce monsieur-là de voleur. À inciter la population à casser les bus. Tu parles de rébellion dans la bouche. Tata, est-ce que quand vous voyez, est-ce que vous avez vu rébellion? Mais ce n'est pas même rébellion là qui lui l'a mis au pouvoir. Ou bien tu as oublié. C'est même rébellion là qui l'a envoyé au pouvoir. Rébellion là qui est venu enlever le père Bédier au pouvoir là. Et puis lui l'a acclamé cette rébellion là. C'est pas même rébellion là qu'il a envoyé au pouvoir. Vous voulez troquer l'histoire qui? Vous n'avez pas honte. Quand vous voulez parler là, hein, venez vous asseoir pour dire, comme là, notre opposant là, il a fait 100 écoles là, nous on va faire 200. Il a fait 200 CHR, nous on va faire 300.
Il a fait 1000 universités. Nous, on va faire 2000. Il a fait combien de kilomètres de goudron? Nous, on va faire plus que ça. Il a fait combien d'échangeurs? Nous, on va faire plus que ça. Il y a combien d'usines qui sortent dans les trucs? Nous aussi, on va faire sortir plus que ça. C'est de ça que la population a besoin. Sinon, ce n'est pas vos passés à la con. Là. Parce que le passé même ne vous arrange pas. Vos passés sont sales. Ce n'est pas ton président qui est civilisé là, qui est venu au pouvoir. Il dit, je viens pour venger Kragwe Nyabwe. C'est ton président qui est civilisé là qui a dit ça. Ton président qui est civilisé là, ce n'est pas lui qui a dit que le pouvoir se trouve dans les rues. Ce n'est pas ton président là qui a dit ça. Attends, tu es en train de nous parler de qui même? Du même président Bagbo? De l'ex-président Bagbo qui était au pouvoir là? C'est de lui que tu es en train de parler comme cela? Ah non, toi aussi. Vie. Faut arrêter pour toi là. Faut arrêter pour toi là. Faut arrêter pour toi là. Quand on n'est pas dans la paix là, quand il n'y a pas la paix, toi tu as vu truc, le président ukrainien dans Maki en train de danser en Ukraine là-bas. Volodovsky ou bien quoi là même là. Son nom là même est bizarre. Toi tu l'as vu dans Maki en train de danser. C'est pour lui là on appelle guerre. C'est gâté chez lui là-bas. Lui n'a pas le temps de danser. Toi, tu es dans Maki. En train de danser. Tu invites des blancs même pour les faire venir. Pour danser. C'est ton président civilisé là qui fait ça. Et puis tu dis qu'il y a la guerre chez toi. Volodovsky là, quoi la même là, son nom la même. Ah. Lui, l'entrée, tu l'as vu dans Maki. Ils t'ont montré dans France 24 pour dire que voilà, le gars là en train de danser dans Maki. Construire les monuments là, ça ne t'a pas. La guerre là ne t'a pas empêché ça. Quand il prenait sa voiture la nuit et puis il tournait dans tout Abidjan, jusqu'à il allait tomber sur un corabier qui lui a dit qu'il voulait traverser le feu, le corabier l'a arrêté. Que non, même s'il n'y a personne, respecte le feu quand même. Le lendemain, lui-même, il est sorti, il a fait un discours dessus, il a augmenté grâce du gars là. S'il n'y avait pas paix là, dans Abidjan là, est-ce que lui il allait rouler comme cela la nuit? Attends, tu es en train de nous parler de qui? De l'ex-président? Il faut te revoir. Hein? Heureusement que tu es face aux villageois qui ne cherchent pas à comprendre. Hein? Heureusement aussi que tous les villageois ont commencé à comprendre. Vous êtes resté dans ça. Vous avez, c'est votre discours là, vous avez fait, quand on dit d'aller faire truc. D'aller pour être maire ou bien député, c'est vos discours comme cela à la con. Vous êtes allé faire jusqu'à vous n'avez rien eu. Vous êtes sorti zéro, mais vous êtes dedans encore. Et les gens vous vomissent. Mais vos propres parents, ils vous vomissent. C'est ce que tu sais pas. Bah.